assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer, oh, toute ma vie, yeah. Je te louerai à jamais. Alléluia. Je vais vous lire dans Éphésiens 3, verset 16 à 19. Il dit: je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est une prière. Je prie que vous soyez enracinés, que les racines de vos vies soient fondées dans l'amour, que vous tiriez votre force de l'amour. Alléluia. Pour que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la connaissance de Dieu. Ça veut dire que si tu n'apprends pas à aimer comme Dieu, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Alléluia. Et il continue en disant, verset 20, quelque chose d'important que je n'avais pas encore bien saisi. Il dit: à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. De quelle puissance parle-t-il? De l'amour. Alléluia. Il dit: à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. La force et la puissance, la plus grande puissance plutôt que tu aies dans ta vie est activée par l'amour. Alléluia. Et le plus gros désespoir que tu puisses avoir, c'est de ne pas aimer, haïr, ou encore être indifférent vis-à-vis de quelqu'un. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise: Seigneur, accorde-moi la grâce d'être profondément enraciné et fondé dans l'amour. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Sa présence, gloire à Dieu. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les photos de Kwiku qui avance bien par la grâce de Dieu. Dans 10 jours, le 7, 8 et 9, Kwiku sera à Christ. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Voilà, que quelqu'un dise Kwiku pour Christ. Voilà, donc les travaux vraiment avancent bien et je voudrais bénir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer toutes les personnes qui... Toutes les personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre, elle est quasiment finie. Regardez la salle, elle est quasiment finie. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment un exploit d'avoir fait ça en 8 mois. Amen. En 8, 9 mois. Vraiment acclamer le Seigneur. Hein. Vraiment, c'est pas. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise: je suis un bon intendant. Je suis un bon intendant. Je gère l'argent de Dieu avec sagesse. Alléluia. Ça, ce sont les toilettes. C'est même mieux que Damas. Vraiment, c'est terrible ce truc-là. Amen. On acclame le Seigneur. Là, on est en train de faire le... Wow. On est en train de faire le mur du pourtour. Et moi, vraiment, je bénis Dieu. Donc, dans 10 jours, par la grâce de Dieu,
Nous allons finir. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on finisse. Que quelqu'un dise amen. Voilà, il faut qu'on finisse. Donc, je tiens encore à nous encourager tous à continuer à donner abondamment. Alléluia. Voilà, continuer à semer abondamment. C'est une joie, en fait, de pouvoir voir que nous sommes en train de prendre des territoires. Que quelqu'un dise amen. Voilà. Ce bâtiment... c'est bien parce qu'il est au nom de l'Église, donc il est à ton nom. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Voilà. Et je suis convaincu que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et les écluses des cieux sont ouvertes dans le domaine des finances à ton égard au nom de Jésus. Alléluia. Je commande, au nom de Jésus, je commande à la prospérité de te suivre. Je commande à l'abondance, à la provision, à la promotion. D'être ton partage dans le nom de Jésus. Je décrète que ce sont les clients qui vont te suivre et ce n'est plus toi qui vas suivre les clients dans le nom de Jésus. Je confesse et je décrète que l'argent sera à ton service et plus le contraire dans le nom de Jésus. Parce que tu as obéi et que tu as mis Dieu à l'épreuve en semant l'argent et les finances qu'il a mis entre tes mains. Les écluses des cieux sont ouvertes dans ta vie, dans le domaine des finances. Au nom de Jésus, dis amen trois fois. Acclame le Seigneur alors. Amen. Amen. Voilà. AICC, apprenons à donner. Apprenons vraiment à continuer à donner. Amen. Quand on fait, quand nous faisons la réunion pastorale et que nous devons rendre compte financièrement, je suis toujours très fier parce que je sais que Pointe-Noire est toujours dans le peloton de tête. Que quelqu'un dise amen. Donc, dis à ton voisin, c'est bien, continue. Tu fais honneur à Dieu. Alléluia. Voilà, ne vous lassez jamais. Ne vous lassez jamais de donner. Jamais. Faites jamais ça. Amen. Quand vous faites le point sur vos domaines de dépenses, l'investissement vis-à-vis de Dieu doit être le premier des investissements. C'est un conseil que je vous donne. Alléluia. Je répète. Quand vous faites le point dans le domaine de vos finances, vous faites le point. Il y a le loyer, tout ça, c'est pas pour toi, c'est pour celui qui te loge, tu vois. Amen. Même la nourriture que tu manges, ça sort aussi. Donc ça rentre et puis ça sort. Tu dépenses pour que ça rentre et que ça sorte. Alléluia. Mais quand vous faites le point, il faudrait que là où il y a investissement pour la maison de Dieu, ou encore pour aider les frères et les sœurs, ce soit le domaine de dépenses. C'est même pas un domaine de dépenses, c'est le domaine d'investissement le plus élevé. C'est un conseil que je vous donne. Alléluia, que celui qui a des oreilles en entende. Donc acclame le Seigneur et puis ne fais pas la tête. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc le 7, 8 et 9, donc nous allons ouvrir à Kwikou. Donc ça sera Kwikou pour Christ. Donc nous allons l'évangéliser par la grâce de Dieu. Et la semaine d'après, donc le 15, le 14, c'est à partir du jeudi. Donc c'est le 14 ou le 13, hein? La semaine juste après. Ça, c'est le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Regardez vos agendas. C'est quoi? Je sais que le 13, 14, 15, 16, c'est ça? Ok. Nous avons la grâce de recevoir le pasteur Yvan. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je voudrais vraiment que nous soyons vraiment sensibles à ce que l'Esprit fait dans la grande famille Impact Centre Chrétien, en particulier Pointe-Noire. Amen. Vraiment, il faut être sensible à ça. Le premier déplacement du pasteur Yvan a été à Pointe-Noire cette année. Amen. Et son premier déplacement pour l'année scolaire qui commence, ça va être encore à Pointe-Noire. On est le seul campus qu'il aura reçu deux fois en une année. Le seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est qu'il est en train, Dieu l'a fait rentrer pleinement dans sa dimension apostolique. Alléluia. Ça veut dire que les paroles, l'onction qu'il transporte est une onction apostolique. Elle est encore plus grande que celle qu'il avait au début d'année. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous jouissons de cette grâce et de cette faveur.
Ça veut dire que Dieu a trouvé, en fait, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit dans Corinthiens que le regard de Dieu parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout à lui. Ton cœur est tout à Dieu, voilà pourquoi Dieu te fait grâce en t'emmenant des personnes d'un tel calibre. Que quelqu'un me dise Amen. Donc on devrait se lever et acclamer le Seigneur pour ça. C'est le Seigneur qu'on acclame, c'est pas un homme, c'est le Seigneur qu'on acclame. Alléluia. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et pendant ce séminaire, pour la première fois, nous allons retransmettre en direct à Tiétié et puis à Kwikou. En direct. Ça veut dire que tout ce qui se fera ici, direct Kwikou et direct Tiétié. Amen. Que quelqu'un dise, il sort de Pointe-Noire quelque chose de très beau. Dis encore. Dis encore. Alors acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette merveilleuse famille de conquérants. Amen. Je suis vraiment très. Ok. Je suis vraiment très, très heureux. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je veux juste que tu puisses t'accrocher. Amen. Je veux juste que tu puisses t'accrocher. Et je t'inquiète pas, tu vas arriver. Amen. Tu vas arriver. On monte, on descend, tu vas arriver. Moi, je sais où je vais. Donc, si tu ne sais pas, accroche-toi seulement. Même au pantalon, ce n'est pas grave. Accroche-toi, on va arriver ensemble. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Je vais continuer et peut-être essayer de finir aujourd'hui le premier pilier de la puissance de la marche par l'Esprit. Que quelqu'un dise là, il y a une puissance, Saint-Esprit. Il y a une puissance dans la marche par l'Esprit. Dites-le fort, il y a une puissance dans la marche par l'Esprit. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une fois que tu es né de l'Esprit, donc Galates 3, je vais lire ça dans un autre verset. Voilà. Donc Colossiens 2, verset 6, la Bible dit, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, tout comme vous l'avez reçu dans votre cœur, une fois que vous êtes né de l'Esprit, une fois que vous êtes né du surnaturel, que quelqu'un dise du surnaturel, marchez en lui, marchez en Jésus, donc marchez surnaturellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Une fois que tu es né de Dieu, une fois que tu es conscient de ton origine, une fois que tu es conscient de ton identité, que ton identité n'est pas naturelle, alléluia, ton identité n'est pas naturelle. Ta véritable identité, c'est enfant de Dieu, alléluia. Et comme tu es enfant d'un père spirituel et surnaturel, c'est que tu es spirituel et surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Une fois que tu es né du surnaturel, tu dois apprendre à marcher dans le surnaturel. C'est la première étape après être né de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la toute première étape. Et nous avons expliqué que, en fait, marcher par l'Esprit, si vous voulez, marcher par l'Esprit revient à marcher dans l'amour. Amen. Prenez vos cartes ou rechargez vos cartes d'enseignement. Comme ça, vous reviendrez sans cesse sur ce que j'ai déjà dit par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas tout comprendre en une seule fois, c'est impossible. Amen. Même moi, j'écoute des fois des messages 50 fois. Même 50 fois, j'écoute seulement. Et chaque fois que j'écoute, je comprends mieux. Et chaque fois que je comprends mieux, ça veut dire que j'emmène mon âme à être soumis à la vérité de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Donc j'emmène mon âme à être nourrie de la véritable parole. Alléluia. Donc
Je dis que marcher par l'esprit, ou marcher par l'esprit revient à marcher dans l'amour. Nous avons dit que dans 2 Jean 1, verset 5 à 6, la version second 21, la Bible dit « Et maintenant, voici ce que je demande, chère dame. » Quand il dit « chère dame », en fait, il est en train de parler à l'église. Il est en train de nous parler. Il dit « C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que j'ai écrit, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. » Il parlait du commandement de Matthieu 22, verset 36. Quel est le plus grand commandement? Et on a dit que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est aimer ton prochain. Que quelqu'un me dise « Amen ». Et il dit, le commandement dont il est question depuis le commencement, c'est marcher dans l'amour. Il dit, l'amour consiste à vivre ou à marcher conformément à ses commandements. Alléluia. Le commandement de base, le commandement le plus puissant, le premier pilier dans la marche par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. C'est le premier commandement, le plus important. La base de tout, c'est l'amour. Dieu a tout fait à partir de l'amour. Dieu œuvre toujours sur la base de l'amour. Dieu ne fait rien. Même quand il te châtie, c'est parce qu'il t'aime. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et il dit, l'amour dont il est question, le commandement dont il est question, que tu as reçu dès le commencement, c'est marcher ou vivre dans l'amour. C'est cela, vivre selon les commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher. Vous devez marcher dans l'amour. C'est un commandement. C'est un ordre. C'est pas un conseil. Dis à ton voisin, c'est un ordre. Alléluia. Donc l'amour est perçu ici comme une activité ou un comportement. L'amour n'est pas perçu comme un sentiment, frère. Non, je sens que ça fait encore mal, je ne lui ai pas pardonné. Mais ce n'est pas un sentiment. C'est une activité, c'est un comportement, c'est une décision. Je décide de marcher dans l'amour ou je décide d'aimer. Ce n'est pas un sentiment, une motivation. Je l'aime, donc je vais lui offrir un cadeau. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une motivation. C'est une décision, c'est un ordre. Aime. Même si tu n'as pas envie, tu dois aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Un peu plus fort, bijou. Alléluia. Ça veut dire je décide d'aimer. Et nous avons vu que l'amour dont il est question, l'amour de Dieu, n'est pas l'amour des hommes. Or, notre référence à l'amour est fonction de ce que nous avons appris dans le monde. En fait, notre conception de l'amour, elle est naturelle. Quand je dis naturelle, ça veut dire qu'elle est terrestre. J'ai appris à aimer en voyant comment mes parents m'ont aimé. Alléluia. Donc, je me retrouve à faire aux autres ce que mes parents m'ont fait. Donc, la manière dont mes parents m'ont aimé, c'est pour moi un référentiel pour que je puisse aussi aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, si mes parents ne m'ont pas aimé, je n'ai aucune référence pour aimer. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'amour dont il est question, dont Dieu parle, c'est l'amour de Dieu. Donc, la véritable signification de l'amour ne peut venir que de Dieu qui est lui-même amour. Je parle à quelqu'un? Et je disais la semaine dernière, un cher couple, surtout un couple qui s'est marié il y a 2 semaines, je disais à la jeune fille, il ne t'aime pas. En fait, j'ai expliqué. Alléluia. En fait, je dis, la manière dont il t'aime, ce n'est pas ça la véritable signification de l'amour. La véritable signification de l'amour, c'est Dieu qui doit nous la donner. Et Dieu nous la donne dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Ça veut dire que l'amour de Dieu est éternel. Waouh. Waouh.
Donc l'amour est perçu comme une conduite, une attitude, une posture. Et c'est un ordre. Aime, c'est un ordre. Marie, aimer, c'est un ordre. Alléluia. Ce n'est pas le conseil que Dieu avait donné. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Je te conseille de choisir là. Là, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Et nous avons vu 3 ou 4 manifestations, je crois, la semaine dernière. Nous avons vu premièrement que l'amour est patient. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le mot patience est le même mot que persévérance. En fait, ça veut plus ou moins dire la même chose. C'est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente ou à une personne. Ça veut dire que l'amour est patient. Quand tu aimes, tu es patient. Si tu es patient, c'est que cette personne a touché un domaine de ta vie ou à une facette de ta vie qui t'emmène à t'emporter. Alléluia. Donc là où tu dois t'emporter, c'est là où toi tu dois faire preuve de patience. Alléluia. C'est là où tu dois te maîtriser. C'est là où tu dois rester calme, même quand il y a des situations de tension ou même quand il y a des difficultés. Il y a de la tension. Donc tout autour de toi te donne la force d'être hors de toi. Et c'est là où l'amour doit intervenir en disant, calme-toi. Alléluia. J'ai expliqué que la preuve de l'amour, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal, que c'est quand dans un couple tout va mal, c'est quand dans une relation, que quand tout va mal, c'est là où tu vas prouver que réellement tu l'aimes. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Dieu use de patience, ça veut dire que toi aussi tu dois user de patience. User de patience, ça veut dire que tu dois être patient, même des fois lentement, pour que la patience soit usée. C'est pas ça? Dieu use de patience, ça veut dire que là, on va user ta patience. On n'est pas patient une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ou cinq fois. Des fois, pendant 100 fois d'affilée, il faudrait que tu puisses user ta patience. Dis, Seigneur, aide-moi à être patient. C'est un ordre, frère. C'est un ordre. Deuxième point, parce que j'ai déjà développé ce point-là la semaine dernière. L'amour est plein de bonté. Ça veut dire que la bonté est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance envers autrui. C'est une action efficace qui a pour but de rendre réellement autrui heureux. Je nous ai donné un exercice la semaine dernière. J'ai dit, on va essayer, cette semaine, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de mettre en pratique les 4 points que nous avions développés. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Qui a mis ça en pratique? C'est incroyable, hein? Mais si tu es fier d'avoir mis ça en pratique, fais comme ça. Ça veut dire que tu as mis en pratique à moitié ou? Ta mot ne se vante pas. L'acclame le Seigneur pour vous. Tu sais, l'amour est vrai aussi, hein, faut seulement dire la vérité, c'est tout, c'est ce que je veux. Amen. Alléluia. J'ai mis ça en pratique. Il y a un frère que j'ai rencontré il y a 2 ans. Il est venu et il m'a encore sorti un vrai petit baratin en ville, juste pour demander de l'argent. J'ai dit, mais toi, je te connais il y a 2 ans, tu m'avais sorti exactement le même baratin. Et j'ai entendu une petite voix qui a dit, tu dois mettre en pratique. Alléluia. Et il dit, et je sais que c'est le Saint-Esprit, il m'a dit, il faut faire preuve de patience et de bonté. Et quand je dis faire preuve de patience et de bonté, c'est quoi? Il dit, prends le temps de l'écouter et prends le temps d'être bon avec lui. Mais être bon avec lui, il voulait l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Mais bon, par la grâce de Dieu. C'était pas simple, mais par la grâce de Dieu, j'ai mis en pratique.
Et j'ai dit au monsieur, je l'ai exhorté. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu es dans la même situation depuis 2 ans? Parce que tu m'as sorti exactement les mêmes phrases. Et je me rappelle, ça m'a marqué parce que tu m'as sorti un vocabulaire tellement rare que je ne peux pas oublier ce vocabulaire. Alléluia. Donc je lui ai dit, tu sais le problème, pourquoi 2 ans après tu demandes? Parce que tu n'arrêtes pas de demander. Tu n'arrêtes, celui qui reçoit s'appauvrit. Et comme tu ne fais que demander là, mais dans 2 ans, tu seras encore dans la même situation, frère. Tu ne veux pas changer? J'ai dit, bon, rentre dans la voiture. Rentré dans la voiture, j'ai pris un peu de temps avec lui. Et quand j'ai fini, j'ai quand même fait preuve de bonté. Je lui ai quand même donné l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je lui ai dit, viens vendredi à la prière. Tu dois être dans un environnement pour réussir. Tu ne peux pas réussir seul. Mais tu comprendras. Et vendredi, il est venu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. J'ai fait ma part. Le fait d'avoir fait un peu de bien à quelqu'un, avoir fait preuve de bonté, frère, à quelqu'un que tu sais qu'il est là juste pour te demander de l'argent, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que toi, tu dois faire preuve de. Tu ne dois pas attendre de l'autre. C'est toi qui dois donner. C'est voilà pourquoi je dis, c'est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel, sans condition. Il faut même faire attention à la manière dont on élève nos enfants. Si tu travailles bien, tu auras ça. C'est pas bien. Hein? On est en train d'inculquer aux enfants le don par condition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question si tu travailles bien. C'est pas une question si tu travailles bien ou pas. Je t'aime. Point final. Maintenant, Dieu, le Saint-Esprit va te donner une sagesse pour pouvoir faire passer une leçon que tu dois faire passer à ton enfant. Mais ne dis pas si. C'est comme si tu conditionnes. Alléluia. C'est comme si tu conditionnes. Si tu as 15 sur 20, ok, tu pourras sortir. Si tu as 18 sur 20, tu pourras sortir. Si tu fais ça. Mais si Dieu faisait ça pour nous, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'amour qui est plein de bonté, c'est l'amour qui est capable de communiquer, de donner et offrir de bonnes choses dans une seule direction sans attendre en retour. C'est ça en fait la bonté. La bonté, pardon, c'est que vous faites preuve de bienveillance envers autrui sans pour autant que tu attendes qu'il te fasse en retour. C'est ça la bonté. Je donne parce que un, c'est un commandement. Et que Dieu aussi m'a donné. Dieu m'a donné Jésus sans contrepartie. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Psaume 34, verset 8. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Troisième point. L'amour n'est point envieux. Ça veut dire que l'amour ne se réjouit pas de ce que son frère a ou de ce que sa sœur a. L'amour ne jalouse pas les bénédictions d'autrui. L'amour n'envie pas les autres. L'amour n'envie pas les autres. Ça veut dire que l'amour ne jalouse pas. Ne jalouse pas ce que l'autre a. C'est un amour qui encourage ce que l'autre a. Que quelqu'un me dise amen. L'amour qui n'est pas envieux, c'est l'amour qui veut du bien à autrui en tout et pour tout. Dans tous les domaines, je dois vouloir du bien à mon frère et à ma sœur. Et là, c'est un combat. Parce que ton âme ne voudra pas que l'autre a ce que toi tu n'as pas encore. Alléluia. S'il y a une promotion, tu voudras toujours que ce soit d'abord toi qui aies la promotion. S'il y a un mariage, tu voudrais toujours que ce soit d'abord toi qui te marie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la nature humaine. C'est d'abord moi et ensuite, s'il en reste, ça sera pour toi. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'église, c'est pareil.
Tu n'as pas besoin d'envier. Quand tu vois que ton cœur envie, ça veut dire que ton cœur est plein d'envie. C'est pas bon. Tu dois aller vers devant le trône de Dieu et déposer ça. Tu dis, Seigneur, je refuse, je rejette ce sentiment. Je sors ce sentiment de mon cœur au nom de Jésus. Je confesse, selon 3 Jean 1, 2, que je souhaite à mon frère et à ma sœur de prospérer dans tel et dans tel et dans tel domaine. Il faut que tu dises qu'il prospère dans le domaine où toi tu l'envies. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu sens que c'est la promotion que tu veux pour toi, tu dis non, je prie, je souhaite que la promotion soit pour lui. Même si ton âme dit c'est injuste, toi dis c'est juste. Parce que l'amour n'est point envieux. Quand Dieu voudra te donner, personne ne pourra arrêter ce que Dieu va te donner. Personne. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Attends pas le voisin. Amen. Quatrième point. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Nous avons dit que l'amour n'a pas de sentiment exagéré de sa propre personne. Ça ne veut pas dire que tu dois te dévaloriser. Ça veut dire que tu ne dois pas exagérer. Que quelqu'un dise amen. Okay? La Bible dit dans Romains 12, verset 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça veut dire et une bonne opinion de toi. Et une bonne estime de toi. Alléluia. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer l'autre. Parce que la Bible dit, aime l'autre comme toi-même. Donc si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu risques de faire du mal même à ceux que tu aimes, comme beaucoup. Alléluia. Ceux qui font du mal aux autres, c'est qu'en fait, ils ne s'aiment pas. Alléluia. Donc Dieu dit, sois équilibré. Aime-toi. Parce que tu es le résultat de ma création. Tu es une excellente créature. Je loue le Seigneur parce que je suis une excellente créature. Alléluia. Voilà, je suis le fruit de la création de Dieu. Donc je bénis Dieu pour ma vie. Amen. Je rends grâce à Dieu. Mais pas une trop haute, pas exagérée. Mais pas en dessous non plus. Il faut qu'elle soit équilibrée. Donc l'amour ne se vante pas et l'amour de Dieu n'est point orgueilleux. On va voir dans ton comportement si tu flirtes l'orgueil ou pas. Mais attention, l'orgueil est des fois exagéré et l'orgueil aussi est des fois quand tu... on appelle ça la fausse modestie. Non, non, je t'en prie. Quand tu dis bonjour... Arrête. Alléluia. C'est-à-dire que tu veux montrer que tu es trop humble, quoi. Hein? Quand tu es trop, c'est déjà plus bon. Quand tu rentres dans le trop et dans l'excès, dans l'exagération, ça veut dire que tu es orgueilleux. L'orgueil, c'est pas seulement tu te gonfles. Hein? Même quand tu te dégonfles trop aussi, c'est de l'orgueil. Acclame Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention avec ces choses-là. Quand on te dit, bon voilà, un tel, tu vas avoir tel poste. Ah non, 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 je veux pas, je veux pas. Ah non, 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 ces choses-là, c'est pas pour moi. Mais est-ce que tu as demandé la chose? Non. Mais on t'a donné. Oh non, non, ça c'est pas pour moi, orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Orgueilleux, orgueilleux. Parce que c'est toi qu'on place dessus. Tu n'as rien demandé du tout. Il y en a qui refusent, qui boudent. Mais si c'est Dieu qui te donne une opportunité et puis tu refuses, mais Dieu va dire, mais t'es gonflé, hein, frère. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est pas seulement l'orgueil que vous voyez chez toutes les personnes. Quand tu les vois marcher très fiers, ils parlent comme ça, vous savez, bien entendu, vous voyez. Tu vois, le monsieur, il est trop sûr de lui, quoi. Mais il y en a d'autres. Et tu vois, je préfère encore voir le défaut de quelqu'un de manière visible que quand la personne essaie de cacher. Hein? Et, ce sont des filous. Ils essaient de prendre l'apparence de ceux qui ne sont pas. Au moins, l'orgueil, lui, il montre qu'il est même plus que ce que tu vois. Hein? Mais les autres font... C'est comme un loup et puis il a la peau d'un agneau. Tu vois? Voilà. Et en général, ils font l'humilité, surtout devant les autorités. Ah ouais, là, ils font bien. Mais dès que l'autorité n'est plus là. Alléluia. Que tu ne sois pas comme ça, ni ton voisin, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit,
Dans Jacques 4, verset 6, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et c'est terrible ça. Ça veut dire que sans faire exprès, ton adversaire, ça peut être Dieu lui-même. Alléluia. Dieu résiste. Ça veut dire que l'orgueilleux veut réussir. Peut-être d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, mais il veut réussir. Et ça bloque. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le bloque. Dieu qui sonde le cœur voit ton degré d'orgueil. Si tu en as trop, ou tu montres que tu en as, tu es vraiment très humble. Il n'y a jamais de trait avec Dieu. Amen. C'est juste savoir que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Je bénis Dieu pour ce que les autres ont. Alléluia. Et ça se sent. C'est comme un parfum qui émane de toi. Que quelqu'un me dise amen. Maintenant, le point 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire que l'amour ne fait rien d'incorrect. Et l'amour ne fait rien qui soit contraire à l'honneur ou au respect d'autrui. L'amour respecte les gens. Que quelqu'un me dise amen, vraiment. L'amour ne respecte pas seulement les plus grands. L'amour respecte aussi les plus petits. Alléluia. L'amour respecte les plus grands et respecte aussi les plus petits. En fait, l'amour, le comportement de quelqu'un qui a l'amour de Dieu n'est pas fonction de l'âge de la personne qui est en face ou de la classe sociale de la personne qui est en face ou du niveau intellectuel de la personne qui est en face. Ça veut dire que celui qui fait preuve d'amour, même quand tu as ton gardien par exemple qui est plus âgé que toi, tu le respectes, tu l'appelles papa. Hey Jean, Rigobert. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, c'est que tu l'appelles papa. Même si c'est ton gardien, tu l'appelles papa. Papa Alphonse. Alléluia. Moi, je vois, j'ai ma maman Julie, hein? ma domestique. Maman Julie. Quand je m'enferme des fois pour prier, elle panique. J'ai pas vu mon fils. J'ai pas vu mon fils. Alléluia. Elle m'appelle papa. Et elle m'appelle son fils. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais c'est beau et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que je crois par la grâce de Dieu qu'elles sont le respect qu'on lui porte. Allez. Donc, au travers du respect qu'on lui porte, elles sont l'amour qu'on lui porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et comment elles sentent l'amour qu'on lui porte? Parce que la personne s'intéresse à plus que ce qu'elle fait. Elle s'intéresse à ses enfants, à sa vie, à là où elle habite. C'est ça, respecter quelqu'un. C'est ça, le respect. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que l'amour ne cherche pas seulement son propre intérêt. Alléluia. Je parle à quelqu'un ou pas? Ce type d'amour est vrai et transparent. C'est l'amour qui dit les choses telles qu'elles sont, avec douceur et amour. Tu peux dire la vérité. Tu peux dire quelque chose de très dur avec amour. Je parle à quelqu'un? Regardez, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, il dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis la vérité. L'amour est vrai. Ça veut dire que tu es vrai. Tel qu'on te voit là, c'est tel tu es. Tel vous me voyez, c'est tel je suis. Je suis comme ça. Je ne fais pas semblant de paraître devant les gens. C'est faire preuve de malhonnêteté. Je ne suis pas ce que je prétends être. C'est malhonnête. Alléluia. Il faut que tu sois vrai au travail, aussi vrai que tu es vrai à la maison. Aussi vrai que tu l'es vis-à-vis de tes enfants, tu dois être le même. Que quelqu'un dise, il est le même. Jésus. Il est le même. Moi également. Il faut être le même. Il ne faut pas changer. Alléluia. Acclame Dieu. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne dit rien et ne fait rien de faux. L'amour ne triche pas. Il y en a qui sont tellement habitués à tricher que quand ils disent la vérité, ils sont mal à l'aise.
C'est quand on dit il ment comme il respire. C'est-à-dire que c'est lui, il dégaine seulement. Il aura toujours quelque chose à dire. Dis seulement la vérité. Dis que tu ne t'es pas réveillé. Dis que tu t'es couché tard. Même si l'âme va te dire, tu as déjà dit ça la dernière fois, il va dire tu abuses. Hein. Mais est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai, tu me dis la vérité. Si tu as du mal à te lever, mais dis que tu as du mal à te lever, est-ce que c'est faux? C'est faux ou pas? Mais alors dis-le. Alléluia. Dis-le. Ah non, je suis arrivé au carrefour de la raffinerie. Il y a eu un accident. C'était grave. Et puis la dernière fois, non, c'est ma mère. Hey, elle a fait une crise. La pauvre maman va bien. Alléluia. Tout ça, parce que tu penses que tes excuses là, vont entre guillemets t'épargner ou te préserver. Non, tu t'enfonces. Parce qu'à force de mentir, tu ne sauras plus ce que tu avais déjà dit avant. Hein? Mais c'est pas ta maman qui était malade là. Non, c'est l'autre maman. Sois vrai, frère. Ne sois pas malhonnête. Alléluia. L'amour ne dit rien et ne fait rien de faux. L'amour ne triche pas. Vous savez, ce sont des lois simples, mais pas évidentes. C'est simple, mais c'est pas évident. Parce que l'âme va toujours chercher la facilité. L'âme n'aime pas être frustrée. L'âme n'aime pas être mal à l'aise. Dès qu'elle est dans une situation de mal-être, l'âme va préférer fuir. Je ne m'entends pas avec toi. Ou même, tout va bien. Bon, tout allait bien. Nous avions de bonnes relations. On s'amusait ensemble, on parlait ensemble. Et à un moment donné, ça ne va plus. Alléluia. Et des fois, je suis gêné d'aller dire que, mais pourquoi on ne s'appelle plus comme avant? Et quand je vais demander à la personne, hein, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu sais que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que vos relations ont changé. Avant, vous vous appeliez. Maintenant, vous ne vous appelez plus. Ça n'a pas changé. Et il n'y a pas quelque chose. Non, tout va bien. Malhonnête, il y a quelque chose. C'est malhonnête, c'est malhonnête, c'est malhonnête. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais va voir la personne, tu dis, t'as plus d'unité pour m'appeler? Et puis elle va sourire. Et puis tu dis, non, c'est parce que j'ai l'impression. Non, c'est pas j'ai l'impression. Quelque chose ne va plus entre nous. Et quand c'est comme ça, ne t'arrête pas, ne commence pas à fichtiser la personne. Comme c'est toi qui allais voir la personne, prends pour toi. Tu dis, j'ai sûrement fait quelque chose qui t'a déplu. Je te prie de me pardonner. Tu prends pour toi, tu prends sur toi. Pourquoi? Parce que tu cherches l'intérêt d'autrui. Tu ne veux pas mettre l'autre mal à l'aise. Si cela dépend de vous, soyez en paix. Tu veux laisser l'autre en paix. Et aussi, tu veux garder ta paix. Mais il y en a d'autres. On n'a rien fait. Mais tu sais que on s'appelait tout le temps. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus. Et puis, nous deux, on est. Tout va bien. C'est pas parce qu'on ne s'est pas disputé que tout va bien. Quand les relations se sont effritées, ça veut dire que les relations se sont effritées. Sinon, c'est malhonnête. Vous êtes en train de jouer un jeu. Vous deux, vous savez. Hein? Vous jouez un jeu. Et vous savez comment ça va se passer? Si vous allez dans un couloir, tu la vois là-bas. Et voilà. Tu vas prendre une autre route. Mais tout va bien. Oui. Mais tu vas prendre une autre route. Et si par inadvertance, par hasard, sans faire exprès, vous vous rencontrez, hein, au contour d'un couloir. Oh. Ça va? C'est quoi le problème? C'est malhonnête. Amen. C'est malhonnête. Et tu vas voir que là, ton âme, ouf. Mais ton esprit va te dire c'est pas bien. Ton esprit te dira c'est pas bien. Va régler ça. Puis tu vas dire, ouais, mais orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ou pas? L'amour de Dieu? Très simple, mais très compliqué.
Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu se bat avec la notion que nous avons de l'amour dans le monde naturel. Que quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, aime-moi, vraiment. Aime-moi, aime-moi. Point 6, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. De toute façon, tout s'emboîte. Alléluia, tout s'emboîte. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire, l'amour ne mène pas ses intentions dans le but de recevoir un bénéfice. L'amour ne mène pas ses actions dans le but de recevoir un bénéfice ou une gloire personnelle. Ça veut dire que quand l'amour agit, l'amour cherche toujours l'intérêt de l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vis ça tout le temps. Je vis ça tout le temps. La manière dont nous réagissons à certaines situations, on dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, parce qu'elle ne doit pas faire comme ça. Mais mon frère, ça veut dire que tu considères qu'elle doit faire comme toi tu penses. C'est pas ça? Elle ne doit pas faire comme ça. Okay. Hein? Regarde ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit qu'elle doit faire? Alléluia. Au lieu de dire, nous, on ne doit pas faire comme ça. Parce que je pense que, dès que tu dis je pense que, tu vois, tu cherches ton intérêt. Tu veux qu'elle réfléchisse comme toi. Tu veux qu'elle fasse comme toi. Tu veux qu'elle s'aligne sur toi. Mais elle ne doit pas s'aligner sur toi. Elle doit s'aligner sur la parole et toi aussi. Alléluia. Elle doit s'aligner. Et si elle monte et toi tu montes, maman, à un moment donné, il y aura clash. Donc si elle monte, descends. Si elle tire la couverture vers elle, accompagne-la. Ça fait quoi? Maman Vic, ça fait quoi? Alléluia. Regarde. Si je prends, attrape. Ça, c'est le différent. Le différent. Nous avons un différent. Alléluia. Un différent. Quand tu en as en haut, quand tu as un différent, attrape bien. Quand tu as un différent, mets-toi bien pour que tout le monde voit. Quand tu as un différent, Le différent, ça veut dire, je veux avoir raison, non? Ça, c'est dans le monde. Et des fois, je sais que j'ai raison. Ça veut dire, de toute façon, si je sais que j'ai raison, c'est dans mon intérêt. Parce que je sais que j'ai raison. Même lui aussi, il sait qu'il a raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser chacun de leur côté, c'est pas? Pousse de ton côté. Moi aussi, je pousse de mon côté. C'est pas ça? Clash. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se déchire pas? Vas-y, tire. Si, tire. Non, tire. Tu vois? Il n'y a pas un problème. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Je suis patient. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est très simple. Maintenant, si nous deux, on va dans le sens de l'autre, il va se passer quoi? Oh, je t'aime, mon frère. Oh. Alléluia. Si chacun va dans le sens de l'autre, forcément l'amour de Dieu se rencontre. Mais l'amour de Dieu aussi, c'est pas forcément que l'autre va agir comme j'agis. Si Dieu m'a fait la grâce que je suis plus, on va dire, plus avancé, et que Dieu m'a fait une grâce supplémentaire, c'est pas grave, je vais aller vers lui. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça paiera. L'amour est patient. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Logiquement, un enfant de Dieu n'a pas de problème avec quelqu'un. En tout cas, dans son cœur, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Si je vois qu'avec la Peugeot, j'ai un problème, je vais au moins aller essayer de régler ça au moins une fois. Si la Peugeot dit non, vraiment, il n'y a pas de problème, mais j'ai dit non, ok, j'ai forcément fait quelque chose. Je te prie de me pardonner. Je te prie vraiment de me pardonner. Parce que j'ai vu que le comportement a changé. Mais vraiment, vraiment pardonne-moi. J'ai fait quelque chose qui t'a déplu. Vraiment, pardonne-moi. Vraiment, aie compassion de moi. Si tu fais ça au moins une fois, au moins ça va. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut faire ça au moins une fois. Alléluia. Jusqu'à ce que la Peugeot a fait ne soit plus dans mon cœur. Mais non, la Peugeot peut continuer. Il peut continuer à mal parler de moi. Mais tant que
c'est plus dans mon cœur. Peu importe ce qu'il dit. Ça dit, on n'est plus rien. C'est pas que je dénie. C'est pas que j'encaisse, quoi. Non, ça ne me fait plus. Parce que ce qu'il a, la manière dont il va se comporter vis-à-vis de moi, c'est pas ça qui va changer mon comportement, en fait. Il ne va pas avoir la télécommande de ma vie. Je vais t'énerver aujourd'hui. Énerve-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Au début, oui. Mais quand je sens que ça marche, oulala, il faut que j'aille la voir pour lui dire vraiment, pardonne-moi. Je prends quand même sur moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Donc si on t'a fait du mal, c'est toi qui dois pardonner. Alléluia. Mais vendredi, on a prié. Moi, je croyais qu'il y aurait deux personnes. J'ai dit, vraiment, tu as quelque chose dans le cœur. Bah, toute l'église est arrivée. J'ai dit, bon, je prie, mon Seigneur, vraiment. Alléluia. Non. Pardonne. C'est pour toi. Quand tu ne pardonnes pas, tu penses que tu fais mal à l'autre. Mais c'est toi, c'est à toi que tu fais mal. Alléluia. Que quelqu'un dise, non, Seigneur, j'ai compris. Aide-moi, je t'en prie. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Emprunter, ça veut dire, oui, prendre de l'argent, mais aussi profiter d'une manière ou d'une autre de toi, en fait. Ne te détourne pas, ne fuis pas. Affronte, vas-y, vas-y. Vas-y. Fais preuve d'amour et de patience à son égard. Septième point, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne se met pas en colère excessive et explosive à travers les paroles ou des actes violents. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'amour de Dieu, tu ne vas jamais le voir en colère. La seule fois où il va se mettre en colère, c'est contre le diable. Donc s'il se met en colère contre toi, vraiment là, il y a un problème. Tu n'as qu'à juste te dire, mais ce n'est pas contre la chair et le sang que tu dois te mettre en colère. Alléluia. Alléluia. L'amour ne s'irrite pas, ne rentre pas dans une colère excessive ou explosive. L'amour ne s'énerve pas, ni ne s'emporte pas jusqu'à perdre ses moyens d'expression et de contrôle. C'est des personnes qui, par exemple, tu tapes tes enfants. Frère, c'est pas bon. C'est parce que je ne peux pas aller en profondeur. Ça, c'est une forme de sorcellerie, ça. Tu fais du mal à ta propre chair, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. L'amour ne s'irrite pas. Mais comment tu peux taper la chair de ta chair? Comment tu peux... Je ne parle pas de la fessée. La fessée, tu peux donner la fessée. Mais pourquoi on dit même la fessée? Parce que c'est l'endroit où il y a au moins un amorti. Mais dis-moi, amen. Il y a un amorti? Non seulement c'est un amorti, mais ça ne se voit pas. Alléluia. Mais toi, tu donnes des chiffres, bah, et puis tu vois l'enfant avec une trace ici. Ou bien tu vois ta femme, elle est obligée de porter des lunettes. Ça va? Non, j'ai glissé. J'ai glissé. Ah, t'as glissé, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas violent. L'amour est doux. L'amour est doux, n'est pas violent. Si tu as des violences excessives, il y a un esprit derrière. Je t'assure, c'est un esprit. Et cet esprit-là est jumeau avec l'esprit de sorcellerie, je t'assure. Parce que tu ne peux pas faire du mal à ta propre chair, frère. Tu ne peux pas. Même à ton frère en Christ, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu n'accepte pas. Parce que quand tu lui fais du mal, tu lui fais du mal. T'acceptes que les professeurs tapent ton enfant jusqu'à ce qu'il aille à l'hôpital? Même une gifle des fois. Tu vois un enfant rentrer avec une gifle, tu vas aller voir le professeur tout de suite. Mais pourtant toi, la manière dont tu tapes ton enfant, c'est 4 fois 6, hein? 4 fois plus, 4 fois 6, 4 fois plus que la manière dont le professeur peut corriger ton enfant. Parce que tu ne supportes pas qu'une autre personne puisse toucher à ton enfant, c'est pas ça? Mais Dieu, c'est pareil. Avant qu'elle soit ta femme ou avant qu'il soit ton enfant, c'est d'abord l'enfant de Dieu, hein, frère. Fais attention. Tu te mets à taper la pauvre personne comme
si elle t'appartient. Comme si la chair, là, sa chair, c'est toi qui as créé sa chair. C'est l'enfant de quelqu'un? C'est la fille de quelqu'un? Amen. Alléluia. La Bible dit dans Nombre 14, verset 18, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Au lieu d'être violent, sois très lent. Ça veut dire sois très patient. Et sois très bon. Parce que tu réalises juste qu'elle a besoin de ton amour. Donc, ces agissements qui vont t'emmener à te mettre en colère, c'est juste des signaux qui disent, en fait, tu ne fais pas assez attention à moi. Remarquez bien, les enfants qui sont très turbulents, ils sont turbulents juste parce qu'ils veulent attirer l'attention, en général. Alléluia. Ça veut dire qu'ils font plein de bêtises, parce que c'est seulement dans les bêtises là que tu vas le remarquer. C'est sa manière de te dire, tu ne fais pas assez attention à moi. Tu ne passes pas assez de temps avec moi. Ou encore, tu ne comprends pas mon langage d'amour. Pourquoi? Parce que chaque être humain a un langage d'amour. Alléluia. Et le seul langage qui répond à tout type de langage d'amour, c'est le langage d'amour de Dieu. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Point 8. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que l'amour n'est pas dans la suspicion. L'amour n'est pas dans la méfiance. Et l'amour n'est pas dans les accusations. L'amour ne s'attarde pas sur les mauvais côtés ou les défauts d'autrui. Quand tout va mal, la personne va toujours regarder chez l'autre ce que l'autre ne fait pas bien. Et mais la Bible dit, mais au lieu de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, regardez d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil. Quand vous assistez au problème entre couples, le mari dit toujours, mais elle a fait ça, elle a fait ça. La femme aussi dit, mais elle, lui aussi, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais regardez à ce que l'autre fait bien. Pourquoi? L'amour n'est pas dans la méfiance ou dans la suspicion. Dès que tu regardes comme ça, je sais à quoi tu penses. Ah bon? C'est de la divination ou bien? Non, je sais que tu penses à ça. Je sais que tu as pensé à ça. Ah bon? Mais comment tu peux savoir? Ça veut dire que tu soupçonnes. Et en général, quand il dit « je sais que tu as pensé à ça », en général, c'est mauvais. Je parle à quelqu'un? L'amour laisse toujours le bénéfice du doute aux autres. L'amour ne voit pas dans les autres toujours des problèmes. Faut croire aux autres, même si tu as fait le coup 4 fois. Crois! Alléluia! Mais l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'interprète pas le comportement des autres toujours en mal. L'amour n'interprète pas le comportement des autres toujours en mal. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez vous-même jugés. Tu soupçonnes quoi? T'es rentré tard, hein? T'étais où? Était au bureau, avant, ah bon? Avec qui? Hein? C'était pas ta voiture qui était là-bas? Mais est-ce que t'as... Mais parce que c'est moi qui ai la seule voiture là, dans tout Point Noir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, tu ne crois pas ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Tu peux même pas croire. Dès qu'il va te sortir un mot, tu penses tout de suite qu'il t'a menti. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, il t'avait déjà fait le coup. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas oublié. Et donc, forcément, tout ce qu'il fait, tu penses qu'il fait mal. Écoutez bien. À force de penser que quelqu'un fait mal, il finira par faire mal. À force de penser que la personne te trompe, elle finira par te tromper. Parce que de toute façon, tu ne le crois pas. Ah ben écoute, autant qu'on y aille, justement. Comme ça, au moins, il y aura une raison. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. Quelqu'un dit, je ne soupçonne pas. Je ne suis pas dans la méfiance. Et je ne suis pas dans les accusations. Je dois croire. Et toujours laisser le bénéfice. J'aime même pas mettre bénéfice du doute. J'aime même pas mettre bénéfice du doute. Parce que c'est le bénéfice du doute. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que pas. Non, je te crois.
Je crois aux gens. Peut-être qu'on va t'appeler naïf, mais je crois aux gens. Après, la manière dont tu vas gérer la même affaire, c'est-à-dire que je t'ai donné 1 million, tu m'as truandé, et puis tu me dis demain, donne-moi encore 1 million. Il n'y a pas marqué... Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Je dis non. Quand Dieu me mettra à cœur de te donner, je te donnerai. Est-ce que c'est faux? C'est faux ou pas? Ben non, Dieu ne m'a pas mis à cœur, je ne te donne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Mais il faut arrêter de penser à la place des autres. Arrêtez ça. Arrêtez de penser à la place des autres. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de développer une atmosphère qui pollue et qui chasse la présence de Dieu. Dieu ne doute pas de toi, hein, vous savez ça? Dieu est venu voir Gédéon. Il a dit, comment vas-tu mon vaillant héros? Il dit qui? Je dis, il n'y a qu'un zéro ici, il n'y a pas de héros. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu dit, mais t'es un héros. Il dit, non, la société m'a dit que j'étais un zéro. Il dit, mais c'est pas parce que tu es dans une condition ou dans un environnement qui t'envoie des signaux, et ces signaux, c'est zéro, que moi je considère que tu es un zéro. Parce que vos pensées là sont éloignées de mes pensées. Je ne pense pas comme vous pensez. Pour moi, tu es un héros et tu resteras un héros. Alléluia. Donc ton enfant restera un héros, même s'il a 2 à l'école. Il restera un héros et tu dois lui parler comme un héros, pas comme un zéro, frère. Alléluia. Parle à autrui comme tu vois autrui réellement, ou même plus. Parle à autrui comme Dieu le voit. Et tu verras que Dieu ne le soupçonne pas. Tu verras que Dieu ne le soupçonne pas. Même si cette personne est toujours dans cette situation, un jour, quand il va encore commettre, il y aura une voix qui va lui dire, mais tu sais, tu n'es pas ça. Hein? Tu n'es pas prostitué. Tu sais que tu es quelqu'un de fidèle. Et puis il va dire, c'est vrai en fait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on lui dit tout le temps. Mais si on dit, toi, tu vas finir en prison, toi, Zoba. Dès que tu vois l'enfant, toujours lui là. Oh non, mais lui, ça va. Oh, Germaine, non, Germaine, elle va bien. C'est bébé Germaine. Mais lui, oh, têtu. Et puis quand il passe là, tu le cognes comme ça à la tête. Pouh, têtu. C'est pas bon. Ça marque l'enfant. Ça marque l'enfant. Et l'enfant finira par croire qu'il est têtu. Et il va commencer à se comporter comme un têtu. Dis jamais! Ah, clame Dieu pour toi, vraiment. Les enfants sont intelligents. Et autrui est intelligent à condition que tu le vois intelligent. Amen. Alléluia. Point 9. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Ça veut dire que l'amour ne fait rien qui soit contraire à la parole de Dieu. L'amour ne fait rien qui soit contraire à la parole. L'amour est basé sur la parole. Amen. L'amour est basé sur la parole. Que quelqu'un dise la parole. Que quelqu'un dise la parole. Okay. Ça veut dire que l'amour est touché par toutes les causes d'injustice. Tout ce qui est injustice, l'amour intervient. Même quand ça ne le concerne pas. Alléluia. Je me rappelle une fois à Paris, j'étais dans un bus. J'étais dans un bus et il y a un petit maghrébin qui est rentré et il s'est mis à terroriser tout le monde dans le bus. Et puis il s'est mis à gifler le conducteur du bus. Hein? Tu veux parler? Pas! Tu veux parler? Pas! C'était un jeune, je sais pas, de 20 ans, 22 ans, je sais pas. Il y avait que des papas, il y avait beaucoup de gens dans le bus. Et c'est un petit de 17 ans. Personne n'a bougé. J'ai dit, papa, je suis allé prendre le petit là. J'ai dit, frère. Hein? Je l'ai pris par le col, je l'ai foutu dehors. Allez, vas-y. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais je l'ai mis dehors. Pourquoi? Tout le monde disait, ah, chacun. Ah. Alléluia. Parce que ça, c'est un peu dans la culture un peu occidentale. C'est chacun. Alléluia. Donc, ah, on ne bouge pas. Non. Quand c'est pas ça, c'est injuste. Tu ne peux pas rester. Tu peux pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas. J'ai beau essayer, je ne peux pas. À l'intérieur de moi, c'est plus fort que moi.
J'étais dans le métro, il y a quelqu'un qui a volé le sac d'une étrangère. Et il courait. Donc il a volé et puis il courait. Tout le monde s'écartait, il courait. Et puis il vient vers moi. J'ai dit, hé frère. Donc je me mettais juste à raisonner. J'ai dit, non, ne fais pas. Et on ne sait jamais, il a peut-être un couteau. Mais je ne pouvais pas. Donc quand il venait seulement, je dis, bon, tu ne vas pas passer ici. Tu vas pas passer. Il m'a jeté le sac, il a continué. Pourquoi? Je ne supporte pas. C'est plus fort que toi. Vous comprenez? Tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas voir quelqu'un se faire maltraiter. Tu ne supportes pas. C'est à l'intérieur de toi. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une force. Alléluia. L'amour de Dieu se sacrifie. Mais si c'est pour la bonne cause, tu te sacrifies. Même si tu n'es pas dedans, ça veut dire que pour la bonne cause, tu te sacrifies. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu dis, ah, ça, c'est pas ma faute. Hein. Ah, ça me regarde pas. Mais pourquoi ça te regarde pas? Est-ce que c'est juste? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça condamne. Est-ce que la Bible condamne? Oui. Interviens. Avec amour, mais interviens. Interviens. Avec amour, mais interviens. Que quelqu'un me dise Amen. Point 10. L'amour, c'est le point 10, c'est impressionnant. Il dit, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Ah! J'ai dit, Dieu, vraiment Seigneur, là vraiment c'est fort. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Si vous êtes marié, ça veut dire que vous êtes marié pour la vie. Peu importe ce que l'autre va faire, l'amour pardonne. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, les gens disent non, dans l'Ancien Testament, on a le droit de divorcer. Oui, pour cause d'adultère. Là, pour ça, il connaît la parole. Ah, pour cause d'adultère, on a le droit de divorcer. Non. Dieu avait. Ah, oui, c'est vrai que Jésus a dit bon, ça peut être une porte, c'est une option. Mais en fait, tu peux quand même pardonner. Alléluia. Tu peux pardonner. Ça veut dire que ton frère ou ta soeur a encore une grande faiblesse dedans ou encore elle est dominée par un esprit. C'est pas lui. Même s'il lui dit, ah, c'est pas moi, c'est pas grave. S'il dit, même si on l'a attrapé, il dit, c'est pas moi. Ça, c'est encore le mensonge qui est là-bas. C'est pas grave. Mais l'amour pardonne tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pardonner, croire, espérer et supporter sont quatre actions qui marchent ensemble. Ce sont des quadruplés. Que quelqu'un dise des quadruplés. Ok. Mais pourquoi on commence par le pardon? Parce que le pardon est l'une des plus grandes preuves d'amour. Dieu nous a pardonnés. Alléluia. Regardez, l'amour commence par le pardon parce que Dieu a pardonné avant même que nous soyons... En fait, Dieu nous a pardonné quand nous étions en plein péché. On n'a rien fait. On n'est même pas redevenu de demander pardon à Dieu. Rien. C'est-à-dire qu'on était dans la boue du péché. Dieu nous a pardonné. En fait, Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a pardonné. Amen. Maintenant, une fois qu'il nous a pardonné, maintenant, l'amour accepte de croire jusqu'à ce que le mensonge soit prouvé sans doute possible. Ça veut dire que quand tu pardonnes une fois, tu pardonnes deux fois, tu pardonnes trois fois, ton âme va dire, t'es naïf. Franchement, il ne faut pas te faire passer pour un idiot. Il abuse de toi en fait. Ce n'est pas qu'il abuse de toi. L'Esprit de Dieu est en train de te dire que l'amour accepte de croire jusqu'à ce que le mensonge soit prouvé sans doute possible. Ça veut dire, il y a des preuves, tu l'as eu. Dans le cas d'adultère, il faut que tu l'aies. C'est-à-dire, ça, je t'ai eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu... Ah! Là, maintenant, je t'ai eu. Alléluia. Parce que même si tu l'as pas, même si le monsieur, il est peut-être aux toilettes et tout ça, il va dire, ah! Hé, hey, mais qu'est-ce que je fais dans cette chambre? Tu ne l'as pas attrapé en pleine action? Oh! J'ai été transporté comme Étienne! Hé, hey, vous rigolez? Ça ne t'arrivera pas, ça, au nom de Jésus. Alléluia! Je suis juste en train de te dire, jusqu'à quel point tu dois pardonner. Et cela peut nécessiter du temps. Mais tu ne dois pas te dire, attends, un jour je t'aurai.
C'est pas ce que tu dois dire. Tu dois juste croire que Dieu est capable. Voilà, c'est ça en fait. Tu dois croire que Dieu est capable de le changer. Et tu dois refuser de soupçonner parce que ton âme va te donner des éléments. Donc, ton âme va te dire, tu vois la veste là. Va un peu sentir le parfum, tu vas voir. Tu vois la veste là. Regarde un peu dans les poches, il a laissé son portable. Regarde un peu les numéros de téléphone. Tout ça, c'est ton âme qui te dit ça. Donc toi, tu n'as pas besoin d'aller regarder le téléphone. Ne soupçonne pas. Si tu ne soupçonnes pas, ne va pas regarder le téléphone. Tu vas te faire du mal pour rien. Et tu vas retomber dans un cycle là. Tu vas faire rentrer la haine, la trahison. Ça veut dire que chaque fois que tu vas penser à ce qui te fait, en fait, quand vous voyez quelqu'un, ce qui vous fait mal, c'est que vous ne le voyez pas. Vous voyez ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait. Donc, quand vous le voyez, c'est comme une image qui s'ouvre, une vision éveillée. Et vous voyez la personne qui vous abuse de vous. Donc, c'est cette image-là qui vous fait mal. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour accepte de croire, mon Dieu, il faut que je finisse. L'amour accepte de croire jusqu'à ce que le mensonge soit prouvé sans doute possible. L'amour espère que tout changement, toute amélioration et tout miracle sont possibles et arriveront. Voilà pourquoi on dit que l'amour pardonne, donc l'amour pardonne tout. L'amour croit, ça veut dire que l'amour croit que tout changement est possible. Et maintenant, entre la croyance et la manifestation du changement, entre les deux, il y a l'espérance. Voilà pourquoi je dis que l'amour espère tout changement, toute amélioration et tout miracle possible. Et si c'est le cas, l'amour est prêt à tout endurer et à tout supporter jusqu'à la manifestation de ce à quoi il croit. C'est pas simple. Voilà pourquoi tu ne peux y arriver qu'avec l'Esprit de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est un comportement. C'est un ordre. Dieu veut que tu fasses ça. C'est un ordre. Il dit, dans Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, vous bloquez le pardon de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que la personne a fait. Ça dépend du fait que Dieu vous a pardonné, donc pardonne. Si tu pardonnes 15 fois, ça veut dire que tu donnes l'opportunité à Dieu de te pardonner 15 fois. Mais si tu pardonnes à l'autre, tu dis 4 fois, ça suffit. Hein? Ça suffit. C'est fini aujourd'hui. Hein? Ok, c'est pas grave. Dieu aussi t'attend. Au bout de 4 fois, il dit, ça suffit. Hein? C'est fini aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné aussi. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Il y avait un dernier point que je voulais voir, mais je ne peux plus à cause du temps. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire, je résumais ça rapidement, ça veut dire que le Saint-Esprit déverse. Amen. Il répand, ça veut dire que le Saint-Esprit déverse, est répandu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a. Déverser, c'est répandre, c'est verser. Le Saint-Esprit verse l'amour tout le temps. Il verse l'amour. À condition que tu marches dans l'amour, il continue à verser dans l'amour. Amen. Une fois que tu commences, le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Maintenant, quand la Bible dit « n'attristez pas l'Esprit », ça veut dire « ne le frustrez pas ». Comment ? Si tu commences à mentir, si tu commences à ne pas pardonner, si tu commences à avoir de la rancœur, ça attriste l'Esprit. Et quand ça attriste l'Esprit, écoutez-moi bien, je finis avec ça. Quand ça attriste l'Esprit, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit « n'éteignez pas l'esprit ». Ça veut dire que quand tu attristes l'esprit, tu l'éteins. Quand tu l'éteins, ça veut dire qu'il ne t'active, il ne t'alimente plus de l'amour. S'il ne t'alimente plus de l'amour, ça veut dire que tu sors de la marche par l'esprit et tu rentres encore dans la marche par la chair. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit ?
Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, là, les gens pensent que attristez pas le Saint-Esprit, bon, ils n'ont même pas conscience de la notion d'attrister le Saint-Esprit. En fait, quand tu ne pardonnes pas, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas patient, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu es envieux, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu soupçonnes, mais tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu ne t'humilies pas, tu attristes le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, mais marchez dans l'amour, frère. Parce que si le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellé, pour lequel vous avez été marqué, pour le jour de la rédemption, quand Jésus va venir, il va dire, ah, l'Esprit de Dieu est là, ok, on peut y aller. C'est-à-dire que si tu frustres celui qui est le garant de ta vie éternelle, si tu le frustres, il s'éteint. S'il s'éteint, il disparaît. S'il disparaît, toi aussi tu disparais. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? On va se lever, on va prier pour ça. On va prier pour ça. Sharabaush. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice mais de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et cet amour que tu as, c'est un amour surnaturel, c'est sûr. Mais c'est un amour que le Saint-Esprit te donne. C'est un amour que le Saint-Esprit te donne. Et quand tu prends la décision, l'amour est une décision. Quand tu prends la décision dans ton cœur d'aimer, le Saint-Esprit commence à t'arroser de la force d'aimer. Que quelqu'un dise amen. Le Saint-Esprit commence à t'arroser de la force d'aimer. Tu as la force d'aimer. Parce que pour faire ça, il faut avoir une force surhumaine. Sinon, tu ne peux pas. Élevons la voix. Élevons la voix. Disons merci à notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a accordé cet amour. Disons merci à Dieu. Et demandons pardon. Pour les mauvaises connaissances que nous avions vis-à-vis de la notion d'aimer. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous revenons à toi humblement, Seigneur. Et nous te demandons pardon parce que nous n'avions pas la bonne référence dans le domaine de l'amour. Nous avons voulu aimer comme on nous a aimé et nous avons voulu aimer comme nous avons appris à aimer. Mais en fait, nous reconnaissons que nous n'avons jamais appris à aimer comme toi, tu nous as aimé. Le Saint-Esprit est l'enseignant. Aujourd'hui, Seigneur, nous revenons auprès de toi. Nous revenons à l'école du Saint-Esprit pour réapprendre à aimer comme Dieu veut que nous puissions aimer, car c'est un commandement et c'est le premier commandement et le plus puissant des commandements. Alors accorde-nous la grâce de marcher selon ce commandement d'aimer. Seigneur, merci, merci, merci. Nous élevons nos voix vers toi en signe d'humilité parce que nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Personne n'y est, moi le premier. Nous avons réellement besoin de réapprendre à aimer comme Dieu veut que nous puissions aimer. D'une manière inconditionnelle, d'une manière surnaturelle et d'une manière éternelle. Accorde-nous la grâce. La Bible dit que l'amour ne meurt pas. Accorde-nous la grâce que cet amour par la présence du Saint-Esprit ne puisse point mourir. En fait, nous reconnaissons que si nous agissons selon tes commandements, le Saint-Esprit va toujours répandre cet amour sur le trône de nos cœurs. Et donc, il ne mourra jamais. Mais si jamais nous frustrons l'Esprit en gardant dans notre cœur ou en donnant accès au diable, dans notre cœur, nous finirons par tuer le flux de l'esprit et nous finirons par mourir par l'amour de Dieu. Ça veut dire que nous finirons par ne plus avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas ça. Tu nous enseignes et tu nous donnes les clés pour que nous puissions marcher dans l'amour. Accorde-nous la grâce de comprendre, de saisir et d'appliquer par la force du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous reconnaissons que tu as commencé en nous une œuvre magnifique, formidable, extraordinaire et que tu es capable de l'accomplir. À toi seul qui es capable de le faire. À Jésus
notre roi, Jésus, notre maître, à l'Esprit de Dieu, notre enseignant, au Père qui nous a aimés le premier, à lui seul soit toute la gloire, à lui seul soit les acclamations, à lui seul soit les ovations, au nom de Christ Jésus, avec action de grâce.